Il m'a dit que Dieu était grand, qu'il me faudrait faire des efforts, faire ce qu'il dit, souffrir encore, afin de vivre éternellement, que Mahomet est son prophète, il fallait suivre le Coran, pour vivre de manière honnête, et ne plus être un mécréant. Il a commencé à hurler, dans son costume de vanité, j'ai compris qu'il était paumé, qu'Allah l'avait abandonné, j'ai répondu tu sais mon grand, Dieu ne parle pas plus l'arabe, que le français, l'anglais, l'allemand, moi je me méfie des palabres, ton monde n'existe pas. Tu dois chercher au-delà. Faut pas charrier ta charia et ton djihad, j'y adhère pas. Veux-tu savoir mon opinion? Allah n'a pas de religion. Il m'a dit Dieu est éternel, unique régnant sur l'univers, mais que son peuple c'est Israël, parmi tous les hommes de la terre, qu'il avait promis une terre faite de lait de miel, mais que depuis des millénaires il y avait toujours eu des querelles, que malgré cette belle alliance, la destinée du peuple élu est jalonnée par les souffrances, je l'ai trouvé plutôt obtus, j'ai pensé qu'il n'allait pas bien, que tous ces mythes arrivent à rien, j'ai dit il faut que tu relises l'histoire d'Abraham et Moïse, ton monde n'existe pas. Il n'a rien à faire ici-bas. Tu dois chercher au-delà du Talmud et de la Torah. Ne te fais pas d'illusions, Yahvé n'a pas de religion. Attends, ouais. Il m'a proposé de m'aider, mais qu'il faudrait lui obéir, car il savait tous les secrets du monde de la dissoupie, que Dieu nous avait envoyé son fils unique sur la terre pour laver tous nos péchés en étant tué par ses frères, puis il était monté aux cieux et qu'il fallait être très pieux en attendant la fin des temps, son retour et son jugement. J'ai demandé, as-tu saisi le message de Jésus-Christ? Aimez-vous donc les uns les autres. Ah là, je veux bien être des vôtres. Ton monde n'existe pas. Tu dois chercher au-delà. Je connais pas beaucoup de chrétiens qui vivent l'amour des prochains. Tu peux ranger ton goupillon, Jésus n'a pas de religion. Alors moi j'y ai dit. Ouais. J'y ai dit. Tu es enfant de l'univers, fruit du soleil et de la terre. Abandonne tes mauvaises prières, car ce sont de vilaines manières. C'est bon, hein? Il m'a dit qu'il fallait se fier aux lois infaillibles du marché, que les cotes du CAC 40 étaient de loin les plus savantes, que c'était la bourse ou la vie, qu'il fallait se laisser se répandre les lois de l'offre et la demande pour sauver notre économie, qu'il fallait casser nos acquis et vivre dans la pénitence, mais qu'un jour nous serions bénis par le retour de la croissance. J'ai pensé que le pauvre homme était enfermé dans une secte, prisonnier du pire des dogmes et du clergé le plus abject. Ce monde n'est pas pour toi. Tu peux redescendre ici-bas. L'économie n'est pas une science, mais la plus folle des démences. Et j'ai pensé, Dieu est-il bon parce qu'il n'a pas de pognon. Comment il fait d'abord? Yes.